Je me suis beaucoup posé cette question. Comment la Grande-Bretagne a-t-elle pu découvrir les pôles et les Indes? Eh bien, la réponse tient dans la place donnée au sport dans les collèges britanniques. Et a vécu à Rugby, dans la ville de Rugby, un homme exceptionnel, Tom Arnold, qui était un pasteur et qui a eu le génie de comprendre ce que le sport et le football, en particulier, pouvaient apporter à l'éducation. Comment il pouvait transformer un boy en un homme mûr, un homme indépendant qui soit un véritable conquérant. Et je me bats depuis longtemps pour qu'en France, on adopte ce modèle. Le football rugby combine plusieurs sports. Vous avez la course, bien sûr, le saut, le lancer, la lutte, qui sont tous d'excellents sports. Donc on est très loin de cet excès de spécialisme qu'on dénonce aujourd'hui. Et puis le football rugby nécessite aussi des qualités intellectuelles et morales. 30 hommes sur un terrain, c'est une foule. Donc par là encore, c'est un jeu démocratique et moderne. Alors, c'est en octobre dernier que l'Union des sociétés françaises de sport athlétique, dont je suis le secrétaire général, a décidé la création de ce championnat. Nous voulons que cette finale de demain soit un événement sportif. Nous voulons faire de ce sport un sport à la mode. Je serai l'arbitre de la rencontre. Je remettrai moi-même un challenge qui sera un trophée que j'ai dessiné, sur lequel j'ai fait graver les armes de l'Union. Ce trophée sera réalisé par Charles Brennus. Cette première finale a lieu le 20 mars 1892 sur la pelouse de Bagatelle à Paris. Elle oppose le Racing Club de France au Stade Français, les deux seuls candidats au titre. La foule des spectateurs est considérable, selon la presse de l'époque, 1000 à 2000 personnes. Et c'est le Racing qui va l'emporter de justesse par 4 à 3. Le Stade Français prend sa revanche en 1893. Il va également l'emporter en 94 et 95. Mais c'est encore dans le monde scolaire que se développe et se pratique le football rugby. À l'école alsacienne, à Paris, on trouve une bande de pionniers, des aventuriers du jeu, dont un sera finaliste en 95 et champion en 96, Jean-Baptiste Charcot, le commandant Charcot. Nous sommes revenus dans cette école alsacienne avec le docteur Jean-Louis Etienne, l'homme des expéditions polaires d'aujourd'hui, le meilleur témoin pour évoquer Jean-Baptiste Charcot. C'est émouvant de retrouver ce lieu, ce gymnase qui est resté intact. Les cordes ne sont peut-être pas les mêmes, mais savoir que Charcot a développé ici sa jeune musculature, qu'il a commencé avant qu'il soit Laurent Charcot, parce que c'est ça qui est intéressant, de retrouver sa racine avant qu'il soit Monsieur Charcot Poulair. Il a commencé ici à développer son corps, à développer quelque chose qu'on retrouvera tout au long de sa vie, qui est cet esprit d'équipe qu'il animait ici. On le retrouve dans ses récits où il crée autour de lui déjà les premières équipes de rugby. Ça s'appelait pas le rugby, mais on jouait à la balle, et c'était lui l'animateur. Il y a bien sûr quelque chose qui est notre dénominateur commun, je crois, c'est l'amour pour les régions polaires et cet engagement, parce qu'il s'est engagé vraiment à fond avec son pourquoi pas, avec son français avant. Il y a bien sûr la médecine. Il était le fils d'un grand médecin, il a été lui-même interne des hôpitaux. Et puis avant, le rugby. Moi, j'ai joué jusqu'en junior A. Et Charcot a été finaliste et champion de France, ce qui n'est pas rien. Même s'il n'y avait pas, à cette époque-là, le rugby de maintenant, c'est-à-dire de nombreuses équipes, elles étaient plus confidentielles, surtout parisiennes. Mais elles étaient, je crois, et j'en suis sûr d'ailleurs, animées par la même volonté, le même amour qu'on a quand on joue au rugby. Quoi. L'amour de la balle, c'est la même chose, ça n'a pas changé, ça. C'est dans ce Paris de la belle époque que le championnat va commencer à s'étoffer. Les équipes sont constituées de sportifs complets, des sportsmen. On y retrouve souvent des étrangers. Le milieu est cosmopolite. Sociologiquement, c'est toujours une jeunesse privilégiée et estudiantine. Le public commence à suivre. La concurrence commence, la presse commente. Les combats pour le titre sont âpres. Mais c'est toujours le Stade Français et le Racing qui dominent cette époque. 6 titres pour le Stade Français en 10 ans de finale. Très rapidement, la province fait pression pour participer à ces finales. Elle ne veut plus être exclue de ce qui devient un événement, et c'est tout naturellement Bordeaux, marqué par le rayonnement britannique en Aquitaine, qui sera la première à contester la suprématie parisienne. C'est un courtier maritime anglais qui est le président du Stade Bordelais, et la ville va très vite accueillir ses premières finales. En 1904, tout est consommé.
Les équipes de province deviennent incontournables et Bordeaux s'apprête alors à écrire une grande page de l'histoire de ses 100 ans de finale en remportant 4 titres consécutifs aux dépens du Stade français. Le jeu est viril, rugueux, sans grandes envolées, mais les vaincus portent souvent eux-mêmes les vainqueurs en triomphe. La presse se passionne et analyse déjà complètement le cours des rencontres. Les premières équipes de Bordeaux comportaient une majorité d'Anglais, qui étaient des négociants en vin ou des courtiers, etc. À Toulouse, le fils du consul d'Angleterre, Toulouse qui est une ville beaucoup moins britannique, mais enfin il y avait quand même un consul d'Angleterre, et c'est son fils Huggins qui a été un des premiers rugbymen de Toulouse dans les années 1890. Mais bien entendu, il a fallu que la jeunesse puisse suivre cet engouement, et moi je l'attribue un peu à cet esprit de génération et cet esprit de fête et d'enthousiasme juvénile qui habite la jeunesse du Midi et qui s'est polarisé, qui s'est cristallisé sur le rugby. Mais l'histoire avance lentement. En 1908, la finale se joue à Paris devant 10 000 personnes. La dernière victoire parisienne est pour le Stade français. En 1909, première finale sans équipe parisienne. Bordeaux rencontre Toulouse. René Saligny, notre premier acteur, a 15 ans. J'ai assisté à une du Bordeaux contre le Stade toulousain. Le Stade bordelais, qui a écrasé le Stade toulousain. C'était la première année de la fusion du Stade toulousain, c'est-à-dire les Olympiens de Toulouse, avec l'école vétérinaire. Ils avaient fait fusion sous le nom de Stade toulousain. Et alors là, ils sont arrivés en finale contre Bordeaux. Mais Bordeaux, à cette époque-là, était intouchable. Intouchable. Ils avaient un Anglais là qui s'appelait Hunter, qui était terrible. Puis il y avait Bruno, Leviel en trois quarts, ou Massé en avant. Il y avait Thiel, Roussillon, là, là, ils avaient une pléiade de joueurs. Le rugby toulousain progresse. On joue de mieux en mieux sur les bords de la Garonne. 1911, apothéose de l'ère bordelaise qui aura ancré le rugby en province. Le Stade Bordelais Université Club remporte son 7e titre en 12 ans de finale. En 1912, la fameuse équipe de la Vierge Rouge, dont tout le monde encore parle à Toulouse, a été reçue dans la salle des illustres du Capitole par M. Feugat, adjoint au maire, qui a prononcé un discours, justement, où il exaltait toutes les qualités du peuple toulousain et du peuple occitan, déjà, même si le mot d'occitan n'était pas employé, c'était ça, du peuple languedocien, autour du rugby. Je crois que ça a été un moment, si vous voulez, de sacralisation, d'officialisation du rugby, et à partir de là, à la fois le culte du rugby, la pratique du rugby et cette osmose entre les supporters, les joueurs, la population dans son ensemble, a démarré. Ce sont les premières images de jeu du rugby français. Elles datent de 1911. De nouvelles figures apparaissent. Fernand Forgue et un nom magique, l'Aviron Bayonnais. Le rugby s'étend, l'épopée construit sa légende. Ça a été la révolution. Moi, je me rappelle, j'étais gosse, donc j'avais 13 ou 15 ans. Ce qui nous avait frappé, on parlait de l'Aviron. Et l'adresse de l'Aviron. Vous les avez vus jouer? Oui, je les ai vus jouer. Je les ai vus jouer, ils étaient venus à Tarbes, et ils ont été champions de France cette année-là. Ils ont battu le SCUF. Oui, c'était en 13. Oui, le SCUF. Vous avez assisté à la finale en 13? Il y avait Cadenas. Oui, Jules Cadenas. Jules Cadenas y était. Ouais. Et ils étaient venus jouer à Tarbes contre nous, et on pensait que cette équipe tiendrait tête à l'Aviron. Ils n'ont pas existé. L'Aviron a sorti son jeu. Ils jouaient, vous savez, presque tous sur la même ligne. Ça frappait à l'époque. Et alors, ils avaient trouvé un système. Ils lançaient le ballon. On s'en est pas rendu compte tout de suite. Mais quand le type recevait le ballon, il avait bien 20 cm d'avance. Et alors, il était engagé, par exemple, quand il y avait un trou, il était engagé dans le trou, quoi. Avec ses 20 cm, ça suffisait. On les appelait la rafale, c'est ça? Oui, oh, ils partaient tous en ligne. Tac, 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 tac. Ah, c'est la belle équipe, l'Aviron, hein. En 14, d'abord, juste avant la guerre,
Perpignan bat le Stade Tarbes. Oui, le Stade Tarbes à Toulouse. Vous y étiez ? Non, mais je suivais. 8-7. On a eu deux types sortis. On a eu le talonneur sorti, Fort, il s'appelait. Il a été sorti par Gondouin, l'arbitre de Paris. Et qui a été sorti ? Et Dufour a été blessé et sorti, et on a fini à 13. Et on a été battu par 8-7. Et c'est le demi d'ouverture de Perpignan. Aimé Girard, voilà. Le demi d'ouverture qui a fait un drop juste à la dernière minute, il nous a battus. Dans cette seule équipe de Perpignan, 7 champions de France ne reviendront pas. Aimé Girard et bien d'autres seront tués. Le premier conflit mondial va clore momentanément cette épopée. Le monde du rugby sera durement touché. Après 5 ans sans finale, en 1920, le championnat de France de rugby reprend. Tarbes, ici en blanc, dans un match contre le Stade français, va ouvrir l'ère de la domination sudiste en triomphant en finale du Racing Club de France. Tarbes a comme demi de mêlée un certain Marcel Clément. On a joué devant. On a attaqué derrière, puisqu'on a marqué un essai, nous aussi, parce qu'on a fait équipe bon, on est derrière. Il y avait un nommé Jean Grand, hein, en face de Jauregui, et Jauregui n'était pas à la fête, il plaquait dur, et bon, il était coureur et tout ça, ça aide. Quoi. Et alors on a repris confiance, on a égalisé. Et en deuxième mi-temps, on a marqué un autre essai. Ils nous ont fait souffrir après, et ils ont failli, parce qu'ils ont attaqué aussi. Heureusement qu'on leur prenait des ballons, hein. On leur prenait des ballons, même en touche. Hein. Cassaillet leur en a pris. D'ailleurs, ça a été la consigne. Il fallait pas leur laisser le ballon, quoi. Avec le ballon en main, ils étaient dangereux pour nous, quoi. C'était l'équipe de France, quoi. Il y avait 8 joueurs de l'équipe de France. Ben, Tarbes a gagné. Je crois, attendez, 8-3, quelque chose comme ça. Et alors, au coup de sifflet final, c'est une grande joie. Oui, c'est une grande joie. Oui, on a été heureux. Puis la foule s'est jetée vers nous, quoi, vous voyez. C'est là qu'on s'est rendu compte. On s'est rendu compte, mais on n'a pas réalisé quand même. Parce que, vous savez, quand on n'est pas sûr de gagner, on est content, mais on éclate. Mais ça reste là. Ce n'est qu'après qu'on se rend compte qu'on a gagné, quoi. En 1921, la finale va se jouer à Béziers, au cœur du Languedoc, dans ce même stade de Sauvières. C'était il y a plus de 70 ans, devant près de 20 000 spectateurs, et on refusera du monde. Jamais on n'avait vu en province un pareil enthousiasme pour un match de rugby. Cette finale va opposer l'équipe du Stade Toulousain à celle de l'US Perpignan, où évoluait au centre des lignes arrières René Saligné, qui aujourd'hui encore nous rappelle l'essai qui donne à Perpignan son deuxième titre. Eh bien voilà, touche dans nos 22 mètres, à nous. On a eu le ballon. On nous a servi. J'ai démarqué Ramis, qui a fait 50 mètres, et qui a été poussé en touche par Dournac, qui est venu de l'autre aile, qui jouait à droite, et qui va à 15 mètres du but. Nous avions un demi de mêlée qui n'était pas fort, mais qui pigeait, et qui s'appelait Barande, lequel Barande était là et a fait la touche à Durand qui a marqué. Et Marmaillou a fait le but. Voilà. Struxiano, le demi de mêlée toulousain, sera critiqué pour avoir donné trop peu de ballons à ses lignes arrière. Il n'avait pas trois quarts. Il n'avait pas les moyens. Derrière, il n'avait pas les moyens. À cette époque-là, il n'avait pas les moyens. Tandis qu'en 22, quand ils ont été champions de France, là, ils avaient les moyens. Cette équipe du Stade Toulousain rencontre en finale l'Aviron Bayonnais. C'est l'âge d'or du rugby français. En 22, en 23, on attendait les résultats au Café de la Poste, parce que c'était le siège de l'Aviron en ce moment-là. Quand ils jouaient contre 22 contre le Stade Toulousain, ils avaient perdu 6-0. Et je me rappelle ce match, parce que c'était du temps de Lubin, Pépion, Struxiano et Jauregui et compagnie à Stade Toulousain.
De l'autre côté, c'était l'aviron bâillonné, c'était les bleus et blancs, vous savez, le quart d'heure de l'aviron, avec les frères Bretelli, il y avait Lafont, le grand-père de celui qui joue actuellement. Je vous citerai des noms, parce que ça m'avait marqué, c'était mon âge, je devais avoir à ce moment-là, maintenant j'avais 11 ans, je crois. Après ces deux victoires consécutives contre l'aviron bâillonné, l'équipe de Struxiano, puis de Jauregui et François Borde réalise le premier triplé de son histoire. On tirera trois coups de canon dans la ville rose, l'événement aura un retentissement national. L'Auto et la Dépêche du Midi ouvrent conjointement une souscription afin que soit gravé dans le marbre le triplé du Stade toulousain. La domination toulousaine n'est vraiment contestée que par Perpignan. Le Languedoc est tout puissant. En 1925, Toulouse s'efface provisoirement. Perpignan gagne face à Carcassonne dans une finale inédite jouée à Narbonne. Mais Toulouse va reprendre son titre dès l'année suivante. Le Stade toulousain, c'était la machine. C'est un peu comme les Anglais maintenant. Pareil. Ça jouait comme ça, sans... On tournait des mêlées, parce qu'à ce moment-là, on pouvait tourner des mêlées. Tandis que maintenant, avec le règlement, on ne peut plus. Il ne faut pas que la mêlée tourne. Alors, avec le Stade toulousain, la tactique au départ, c'était de tourner des mêlées, vous dribbliez la défense, vous dribbliez tout le monde, vous comprenez. Alors, ça mettait le terrain comme il faut, ça, pour voir la suite. 1927, René Salinier joue sa seconde finale, cette fois dans les lignes arrières toulousaines. Il aura en face de lui Adolphe Jauregui qui joue au Stade français. Il y a eu une touche dans les 30 mètres du Stade français, par là. La touche nous a été favorable, on a eu le ballon par une combinaison que l'on jouait. Et Corbarieux, qui jouait de mi-ouverture, m'a donné le ballon. Et moi, je suis allé vers Jauregui, mais sans augmenter ma vitesse. Confiant, lui, en ses moyens, il m'a laissé la place. Ça a été suffisant pour que je passe. J'ai trouvé et j'ai servi du Laurent qui est allé marquer près des poteaux. Ce qu'on appelle la défense de ligne, en tout cas, c'est Salinier qui l'a inventé. S'aligner, c'est avec le premier trocard centre français, c'est François Borde. Le second, c'est s'aligner. Alors là, ça a été dur. Et surtout que nous étions à 14. La trille avait eu une côte cassée ou je sais pas quoi. Et puis alors, on a marqué des essais quand même, parce qu'on avait une ligne d'avant qui était plus mobile que celle du Stade français. Nous l'avons gagné 19 à 9. À la fin des années 20, les industries locales sont florissantes. À Quillan, dans la haute vallée de l'Aude, le chapelier Jean Bourrel monte une grande équipe de rugby, véritable académie de jeu. Il était comment, Jean Bourrel? Oh, c'est un homme merveilleux. Alors, pour nous, pour l'équipe, il a été formidable. Parce que nous allions à Côte Basque, le lendemain, nous avions un car pour visiter la Côte Basque. Dans les Alpes, c'était pareil. Pour ça, alors, il était formidable. Même pour les joueurs. Parce qu'après, ceux qui étaient à l'usine, à un moment, la seconde année, ils n'allaient plus travailler. Ils étaient au bistrot. Ils payaient quand même. Au pont jumeau, c'était important. Vous étiez tendu un peu avant la finale? Ah oui. Il y avait Costebronte qui venait de traverser l'Atlantique. Ils sont venus avant le match, quoi. Alors comment il se passe ce match? Rappelez-moi, comment il se passe? C'est-à-dire que c'est Bagliata qui nous a fait perdre le match. Parce qu'il avait il avait peur souvent. Parce qu'en première mi-temps, on devait leur passer deux essais au moins. Et il s'est dégonflé et là aussi, il n'a pas plaqué son centre. Alors en 1929, vous revenez en finale. C'est une époque où le jeu devient très dur, non? Oui, surtout contre les Unions, hein. Parce que ça n'était passé dans le Languedoc, hein. Vous aviez Carcassonne, Lézignan, Narbonne, Béziers, Perpignan. Il y avait deux équipes. Il y avait Pézenas, il y avait Tuile. Et quand on était passé là, au Languedoc, on était vaccinés. On pouvait aller au championnat de France. Oui, il y avait les Vicerles, la Camde, le Lézignan, pardon. Il fallait se les farcir. Ils nous menaient 8-0, à 20 minutes de la fin. J'ai marqué le premier essai et après c'est parti alors. Et après Bagliette aussi marque un bel essai, non? Oui, alors là oui. Le signal n'en voulait plus alors là. Parce que là alors,
Quand il était dans son machin, il était formidable. Voilà, c'était un toréador. Contre Pau, voilà, il n'en a pas voulu alors. C'est un bon souvenir. Ah oui, très, très. Je ne l'oublierai jamais. Donc, il m'avait offert un chronomètre en or. Alors, ça, c'est un souvenir inoubliable, ça. Mais la violence s'installe sur le terrain de rugby. Le succès considérable du jeu et l'engouement formidable suscité par les grandes équipes font que les vedettes sont recrutées à grand prix. Quillan, véritable écurie de course, est envié et jalousé. L'industriel Bourrel a pillé littéralement Perpignan. Alors, on parle plus souvent de combats de rue que de jeu. On a beaucoup dit que cette époque-là, il y avait beaucoup de violence sur les terrains. Il y avait de la violence, c'était surtout quelque chose de banal. On ne faisait pas des histoires pour un marron ou un coup de pied, c'était quelque chose de classique, hein, je veux dire, c'était. J'ai débuté à Castelsarna, dans mon petit village. Nous ne jouions que des matchs amicaux. Mais fait la première année où j'ai joué, un jour de fête votive à La Razette, en Tarn-et-Garonne, un lundi de Pâques, un joueur La Razette est mort sur le terrain. Et lui aussi, vertèbre cervicale rompue, vous voyez, en Garonne. Quand je suis rentré à Castelsarna, il m'a-t-il voulu dire qu'il n'y a plus eu de rugby à Castelsarna, et ma mère même m'avait fait promettre de ne plus jamais jouer au rugby. En 1930, la mort dramatique de Michel Pradier, jeune joueur d'Agen, plaqué durement en demi-finale par le Palois d'Ayantou, va déchaîner les passions. Le tribunal condamnera Taillantou et déclarera la Fédération française de rugby responsable des conséquences civiles. Il y a eu l'affaire Taillantou, oui. Vous savez, ça s'est passé ici au stade municipal à Bordeaux. Et Taillantou, là il y avait la différence. Ça s'est presque passé devant moi. Taillantou était un boucher. Un boucher qui avait une musculature assez puissante, qu'il avait sans doute cultivée. Et on disait de lui, les journalistes écrivaient qu'il avait un plaquage mortel, ce qui était malheureux, puisque malheureusement, un jour, son plaquage, effectivement, s'est avéré être mortel, parce que son adversaire, le jeune Pradier, avait 17-18 ans, je crois, il était encore étudiant ici au lycée à Bordeaux, et il a été plaqué par le cou. Maintenant, c'est interdit, les règlements, vous savez, ça, sont sévères sur ce point-là. Mais là, il avait été plaqué très sévèrement par le coup, il est décédé, il ne s'est pas relevé du plaquage. Je n'éprouve aucune gêne à vous exprimer mon sentiment sur le jugement que le tribunal de Bordeaux vient de rendre dans le procès Taillantou. Il est indispensable à la cause du sport que j'ai eu l'honneur de défendre avec mes amis Verdenal et Robert Bernstein, que ce jugement soit réformé, parce que dans les accidents de football, la fatalité et la fatalité seule peut être incriminée. Et je tiens à dire d'ailleurs que si le pourcentage des accidents de football était comparé au nombre considérable de jeunes Français qui ont été sauvés de la tuberculose, de l'alcool par le sport, le bénéfice du sport s'inscrirait encore brillamment dans nos annales. Et je donne la parole volontiers à mon ami Jean Régui, le plus illustre des joueurs de football français, pour vous donner un point de vue plus autorisé que le mien. On reproche à Taillantou la façon dont il a bouclé son adversaire. Son plaquage, savamment étudié par le juge qui soutenait l'accusation, a été présenté comme irrégulier. Je réponds simplement à cela, que les arrêts de ce genre sont fréquents sur le terrain de rugby. Et pour ma part, je crois bien en avoir reçu environ quelques centaines à peu près identiques. Ne croyez pas après cela que le rugby soit un sport dangereux dont la suppression serait désirable. C'est un jeu rapide, vigoureux, violent même, mais qui, j'insiste beaucoup sur ce point, doit être réservé à une élite physique. La finale de 1930 aura quand même lieu devant 25 000 spectateurs. Le match sera beau et Agen battra la grande équipe de Quillan par un drop de Guiral à la dernière minute. Les joueurs se porteront mutuellement en triomphe et les Agenais déposeront leur premier bouclier de Brennus sur la tombe de Michel Pradier. Mais le rugby français est malade. On ne parle plus que d'amateurisme marron et de jeu dur. Les relations avec les Britanniques sont tendues au bord de la rupture. Le championnat devient la cause de tous les maux. Dans ce climat, de grands clubs vont faire sécession et créer l'UFRA, l'Union française de rugby amateur. Il y avait Bordeaux, l'Aviron Bayonnais. Il y avait Pau, il y avait Toulouse, Perpignan, oh, il y avait tout. La fédération n'était plus rien à ce moment-là. Je vous dis les clubs qui étaient à la fédération. Le Racing, Lyon, Toulon et Narbonne. Et Albi. Voilà.
On nous demandait de jouer au rugby, de nous livrer à fond, d'attaquer de partout, et puis voilà. C'était l'attaque qui primait la défense. Il n'y avait aucune brutalité durant les matchs de l'UFRA ? Il y en avait, mais des brutalités normales dans le jeu du rugby. Parce que le rugby, s'il n'est pas, comment vous dire, si c'est de la dentelle, ce n'est plus du rugby. Il y avait les plaquages étaient aussi durs qu'avant, mais des brutalités, ce qu'on appelle la brutalité de voyous, n'existait pas. Cette rupture profonde dans le monde du rugby n'arrête pas le championnat. Les deux compétitions coexistent, UFRA et championnat traditionnel. Durant l'hiver 31, les Britanniques, qui exigeaient la suppression du championnat, décident de rompre leurs relations avec un pouvoir français divisé, débordé et accusé de perdre son nom. Malgré ces turbulences, la passion du rugby reste forte. Félix Mayol, roi du music hall et mécène du rugby toulonnais, finance un stade en plein cœur de la ville. Toulon s'affirme et rencontre en finale un nouveau prétendant. Marcel Baudrero, la mémoire du rugby club toulonnais, évoque pour nous ce premier titre au début de l'ascension lyonnaise. Mais la finale de 31, franchement, il y a eu 30 000 personnes à la gare. Toute la foule était débordée des rues avoisinantes sur la place de la gare. Il y a eu un cortège incroyable. Je sais pas, ça a été l'événement comme le... Quand la liberté a sauté en rade de Toulon, là c'était le côté négatif, le rugby c'était le côté positif, quoi. C'était quelque chose d'extraordinaire. Nous avions des grosses vedettes à l'époque, bon, il y avait un paquet d'avants extraordinaires, c'était le rugby plus rugueux que maintenant. Puis derrière il y avait Servol, Bayette, Allègre, Farre, d'ailleurs qui ont été les derniers survivants. Le rugby semble remonter vers le nord. Le Loup, Lyon Olympique Universitaire, s'impose coup sur coup en finale face à Narbonne. Émile Clotte ne joue pas encore au Racing Club Narbonnais. Au Lyon, il y avait davantage de Catalans que de Lyonnais dans l'équipe. C'était tous des Perpignanais ou des gens de l'environ de Perpignan qui étaient venus et qui allaient s'installer à Lyon. Qu'est-ce qui vous avait attiré à Lyon ? Il y avait mécène, il y avait quelqu'un à Lyon ? Oui, parce qu'ils faisaient de grosses recettes à Lyon. Ils avaient un beau stade, ils faisaient de... Et puis c'était une équipe qui a été sensationnelle. 1934, finale basse. Bayonne, présenté ici au public, gagne avec les Celaï, Zabaleta, Arotza et Lisalde. Ça a été un match formidable, parce que Bayonne-Biarritz, tout le monde parlait de ce match, et tout le monde voulait y aller. Il n'y avait pas de voiture à ce moment-là, très peu. C'est les gens riches qui étaient déplacés en voiture, on s'est passé par le train. Alors, des trains supplémentaires, il y avait d'autres. Même les équipes, on partait par le train. Et dans le train qui partait de Bayonne, qui partait de Biarritz, qui nous prenait à Bayonne, on avait l'équipe de Biarritz dans le même train. Ils ont réintégré la fédération, l'unité est retrouvée, mais le rugby français reste isolé et va encore vivre de nouvelles crises. Ça, c'est la période noire du rugby français, parce qu'on peut raconter tout ce qu'on veut, c'était les Britanniques qui détenaient la vérité. C'est vrai qu'ils la détenaient au point de vue rugby, hein, mais ils nous le faisaient sentir. Donc, à la moindre incartade, c'était le croque-mitaine qui nous menaçait. Et beaucoup de dirigeants français s'étaient inclinés et avaient accepté de supprimer le championnat. Mais ça a deux reprises dans cette période. Vous voyez, ça a été mal vu, on a continué le championnat, mais la fédération s'est voulue plus sévère. Et en se montrant sévère, elle a disqualifié notre voisin Villeneuve, qui avait dans ses rangs Jean Galliat. Et Jean Galliat, qui était un homme d'affaires, a monté le joueur 13, qui a immédiatement réussi, pour la raison bien simple, c'est que on aime les vedettes,
Et il a eu le nez de monter une première équipe avec des vedettes. Pourquoi il est parti à 13? Parce que mes parents avaient pris l'argent qu'on leur avait offert pour moi. J'avais 17 ans et demi. Et on leur a fait 30 000 francs sur la table. Il a fallu en 37, 38. Et alors, je suis parti à Rouen, la Verrousier, Saint-Martin, Servol, les Griffards, les frères Gibert, toute l'époque héroïque de Rouen. Vous savez qu'avant-guerre, beaucoup de joueurs allaient à 13 parce qu'on rencontrait encore les Anglais et les Australiens, enfin les machins. Il y avait eu des rapports internationaux de vrai rugby. Alors que le rugby à 15, on n'avait plus que l'Allemagne, l'Espagne, où c'était vraiment secondaire, ou le championnat. Et le championnat devenait tragique et très, très, très dur, quoi. Très dur. Le rugby français paye le prix de la rupture avec les Britanniques. Les fidèles de rugby à 15, comme Pierre Thiers, demi de mêlée de Montferrand et du 15 de France, vont jouer en Allemagne. Alors comment est l'ambiance en 1936 quand on va jouer au rugby en Allemagne à Berlin? C'est comment l'ambiance? Vous savez, l'Allemagne de 36, c'était pas la joie, c'était pas gay. En 1936, dans cette Europe qui se déchire, on essaye de vivre sa jeunesse. Pierre Thiers ira à Toulouse au stade des Ponts Jumeaux pour une finale Narbonne-Montferrand. C'était l'avènement du Front Populaire, c'était, on avait dressé les ouvriers contre les patrons, il y avait dans cette équipe, il y avait des gens qui travaillaient à l'usine Michelin, il y en avait d'autres qui avaient des emplois plus élevé. Et il y a eu quelques tiraillements, mais ça n'a pas duré parce que l'équipe s'est mise à marcher très bien et tout le monde a fait abstraction de ses opinions personnelles. Mais dans les rues, les foules grondent. Léon Blum a été élu député de Narbonne et la finale du 10 mai 1936 aura lieu sous haute surveillance. Au stade des Ponts Jumeaux, les Montferrandais maillot blanc culotte sombre et les Narbonnais en maillot sombre culotte blanche pénètrent sur le terrain où la finale a attiré 25 000 spectateurs. Nous avions une équipe de Narbonnais. Et ils étaient tous employés communaux. Par conséquent, ils étaient tous de gauche. Et nous, on était un paquet de droite. Mais jamais il y a eu une discussion de quelconque de l'un ou de l'autre. Hein. Ça nous a pas. La politique ne nous intéressait pas. Presque d'entrée. On a un coup franc au milieu du terrain et Maurice Savy me dit passe-le. Après avoir dominé depuis le début, les Montferrandais marquent 3 points sur un coup franc de Thiers. Les joueurs reviennent en place pour la mise en jeu. À ce moment-là, on m'a dit il faut passer derrière, il n'y a rien à faire. J'ai plus de coup franc de toute la partie, dans les 50 mètres. Maintenant, il y avait ce fameux contexte, quoi. L'avènement du Front Populaire, Michelin de l'autre côté, M. Léon Blum qui était de Narbonne. Ça a pesé sur le match, ça? Alors, c'est difficile à dire. Mais enfin, il y a eu quelques erreurs d'arbitrage, mais quel est l'arbitre qui n'en commet pas? Touche pour Montferrand. Les Narbonnes sont bien tenus. Et les trois quarts Narbonnais attaquent. Renaud Serre-Fontalier qui ouvre un clotte, Valls à la balle et marque. J'ai vu que Valls contrôlait la balle, il était maladroit comme un manche, il se manquait tout. Et alors là, quand j'ai vu qu'il avait accroché son ballon, là je me suis dit, il a laissé. Parce qu'il y aurait eu un mur, il serait passé à travers. Et il n'y avait rien à faire, je connaissais Valls. Hein. Et effectivement, il a fichu l'arrière à 5 mètres. Hein. Et il a marqué. Et nous avons été champions de France, 6-3. C'est une grande joie, ça? Ah oui. Oh, oui, oui. En 37, on revient en finale. On est beaucoup plus confiant que contre Narbonne. Premièrement, parce qu'on a l'expérience de l'année précédente. Et deuxièmement, parce que Vienne, à Clermont, a pris 30 points. Le reste, vous le savez, on a perdu 13-7. Une foule nombreuse et enthousiaste a envahi les gradins du stade des Ponts Jumeaux où les équipes de Perpignan et de Biarritz disputent la finale du championnat de France de rugby à 15. Dès le début de la partie, Perpignan part à l'attaque. Mais bientôt, Biarritz obtient un coup franc que l'avant Bourteil transforme en but.
Perpignan réagit et réussit un essai. Durant la deuxième mi-temps, les Catalans, qui s'étaient laissés distancer par leurs adversaires, contre-attaquent brillamment et parviennent à marquer deux essais. On a fait le coup avec Abad, je lui ai dit André, on croise, on a croisé. Alors, quand Abad est venu à la hauteur du centre, mon centre a plaqué, l'ailier l'a plaqué et l'arrière l'ont plaqué. Et moi, je n'ai pas fait la passe. J'ai fait la feinte de passe et gardé le ballon. Et le souvenir que j'ai de ça, ce sont les yeux de l'arrière de Biarritz qui s'est rendu compte au moment où il tombait en plaquant Abad que j'avais conservé le ballon. Et alors, je suis allé, en marchant, au pas gymnastique, je suis allé marquer l'essai, facile, dans la stupeur générale, parce que tout le monde avait cru que Kabat avait loupé le ballon. Et finalement, c'est sur le score Perpignan 11 points, Biarritz 6, que se termine le match, Perpignan remportant ainsi le championnat d'excellence. Biarritz va retrouver Perpignan en 1939. Trois finales en 5 ans entre Basques et Catalans. Et pour la belle, Biarritz va l'emporter dans les prolongations. Mais le championnat de France est encore malade. Le rugby à 13 a attiré les vedettes. Le monde du rugby est divisé, la finale disputée. Il avait été décidé, après la finale Biarritz-USAP de 1939, au congrès de, je ne me souviens pas quelle ville, il avait été décidé qu'on supprimait le championnat. Et ça, c'était dans le but de renouer les relations avec les Britanniques qui condamnaient le championnat, qui le rendaient responsable de tous les maux du rugby français. Et il y a eu une majorité pour accéder à leur désir. Et la France s'installe dans l'occupation pour 4 ans. Oui, oui, on jouait, on se déplaçait, oui, oui, on jouait quand même, oui. Oui, 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 les équipes jouaient. Évidemment, il manquait de joueurs parce que il y avait des gens qui étaient prisonniers, il y en avait d'autres qui étaient partis, qui s'étaient expatriés. Mais le rugby s'est pratiqué pendant la guerre, bien sûr. Le championnat de France était pour moi un vecteur très porteur. Qui aurait pu penser de l'autre côté que le type là qui courait à l'aile, qui peut penser que ce type, quand il causait avec un ou deux quidam, était en train de donner des instructions pour l'installation d'un maquis, pour la réception d'armes, pour l'organisation d'opérations aériennes, ou bien un sabotage ferroviaire. Qui aurait pensé ça? Ça a été pour moi un gage de sécurité, le rugby. Est-ce que les finales qui ont eu lieu en 43, 44, 45, on les suivait quand même? Ah, on les suivait, tout le monde suivait le rugby, bien entendu. Mais on n'avait plus à penser à l'époque, il y a eu les rafles, il y a eu le... Moi-même, j'ai été raflé en 43 sur le bar chez mes parents. Il y a des choses qu'on ne pouvait pas... qu'on ne peut pas oublier, disons-le. Il y a eu des rafles, un jour il y a eu à Marseille 4000 personnes qui ont été raflées, etc., à Toulon aussi. Alors, ça explique un peu le souci moindre qu'on avait pour le sport. Hein. Et ça s'est passé comment pour vous, Marseille? Eh bien, moi, je me suis échappé à la gare. Je me suis évadé, comme on dit, avant d'être mis dans le train, comme un troupeau de bœufs ou de chevaux, là, moi, je me suis échappé, avec deux copains. Plus de 30 000 spectateurs attendent au Parc des Princes le coup d'envoi de la finale du championnat de France de rugby qui va opposer l'aviron bayonnais au Sporting Union d'Agen. Charles Calbet et Jean Matheux entrent ici à la tête de l'équipe d'Agen. Le gouvernement de Vichy a rétabli le championnat, supprimé le rugby à 13 et ramené les finales à Paris. Un ministre a pris place parmi le public. Parmi ses ministres, l'homme à la fine moustache, Joseph Pascot, l'ancien demi d'ouverture de Perpignan, champion de France en 1921 et 1925. Coup d'envoi pour Agen. Tous et mêlés se succèdent. Les Agenais ont le plus souvent l'avantage, mais par leur contre-attaque, les trois quarts de l'aviron refont du terrain.
Roland essaye de droite, mais Arotsar arrête le ballon. Et à l'heure des citrons, le score est toujours nul. Schlar reçoit en pleine course le ballon des mains de Dubalène. Un long sprint et c'est l'essai. Et nous avons perdu le seul match de la saison, 3-0 contre Aviron Mayonnais. C'était une grande tristesse. Ça a été une grande déception. Oui, pour, et, d'autant plus que j'en suis un peu responsable, puisque c'est moi qui ai été blessé et qui ai laissé mon équipe jouer à 14. On avait résisté aux assauts d'Agen, et une occasion s'est présentée, et l'art avait pu déborder et marquer l'essai de la victoire. C'était une apothéose pour nous, parce que vraiment, c'était inespéré, et c'était pendant la guerre. Et cela nous a mené quelques repas supplémentaires qu'on n'avait pas à la maison. Et quand ma femme m'a envoyé le miroir des sports, je crois que c'était à ce moment-là, j'étais prisonnier, j'avais pleuré. Hein. Oh putain, j'avais mal au cœur. Bon, voilà. Dès le début, le jeu est rapide et de bonne qualité. Les Perpignanais jouent en maillot foncé. Maintenant, les Catalans dominent le plus souvent. À la touche, à la mêlée, pourtant, l'aviron bayonnais a régulièrement le ballon. Mais front comme l'éclair, les Perpignanais sont toujours là, à point nommé, pour contre-attaquer. Voici une attaque de Salinas qui passe à Selleil, qui passe à Daugé, et Daugé est projeté en touche. Perpignan mène maintenant par 6-0. Et voici que Elisalde ouvre pour Bayonne. Au centre, il descend. Il a lancé le ballon en avant, Daugé se précipite, touche le premier et marque l'essai pour Bayonne. Il y a une minute qu'on joue en deuxième mi-temps. Mêlée au centre du terrain et puis descente bayonnaise. Interception par Gott. Gott qui surgit, intercepte, prend la défense basque à contre-pied. Descend et marque à son tour pour Perpignan. Perpignan mène par 12-5. Encore une descente de Daugé. Mais les Bayonnais baissent de pied maintenant. Sur la fin, il s'écroule littéralement. Trescaz marquera encore un dernier essai pour Perpignan. Et ainsi, l'USAP triomphera par 20 points à 5. Je crois que le gouvernement de Vichy a eu une double ambition. D'une part, celle de ressusciter un certain nombre de valeurs traditionnelles et d'ancrage sur la terre, sur la tradition, etc. Bon, alors dans ce domaine, peut-être il a pensé que le rugby, comme d'autres sports, pouvait jouer un rôle. Et d'autre part, il a eu l'ambition de quadriller et d'encadrer toutes les activités de la jeunesse. C'est pourquoi il a créé un haut commissariat au sport, où a travaillé, bon, c'était Borotra, mais où a travaillé aussi Pascot, qui était un rugbyman catalan prestigieux. Nous attendions le joueur de rugby, mais nous n'avons pas aimé le reste. Ça se comprend, non? Mais enfin, ça n'a pas été un propagandiste tellement vichiste. Hein. Il a été là et il a essayé de faire quelque chose, mais malheureusement, à l'époque, il n'avait pas les moyens de faire grand-chose. En 1945, l'armée allemande est en déroute. Le gouvernement de Vichy est en fuite. La France est libérée. La finale se jouera encore à Paris, un mois avant la capitulation de l'Allemagne. Agen revient en finale devant un petit nouveau, Lourdes. Il commence ce pacte d'Agen là, avec la troisième ligne, la seconde ligne. Ouh là là, ça c'était un pacte de fer. Hein. Ça c'est certainement le pacte le plus terrible qui ait jamais existé. Ça je le revois. Ferra s'était joué là. Il y a une légende qu'il faut détruire immédiatement. Hein. C'est que le journaliste qui a trouvé sans doute une consonance agréable avec le Ferras à la Godasse est un imbécile. Parce que nous, ce que nous le reprochions au contraire, c'était de ne pas assez user ses moyens physiques, vous voyez. C'était un très beau joueur de rugby, c'était un joueur qui avait commencé comme trois carrés, troisième ligne, vous voyez, qui était rapide, qui avait pris du poids, très adroit, et qui malgré son gabarit relativement. Remarque qu'à l'époque, le plus grand gabarit mesurait 1m85. Hein. La balle sort pour Agen. Un trois quarts de Lourdes essaie une percée, mais il se fait plaquer impitoyablement. À la mi-temps, Lourdes mène par 3-0. Sur une belle attaque de ses trois quarts, Agen marque un essai. Et la fin survient peu après, sur le score de 7-3 en faveur d'Agen, qui est ainsi champion de France et reçoit en garde le fameux bouclier. Là, nous sommes arrivés de Paris. Nous sommes arrivés ici, c'est le matin de Bonheur. Il y avait trois ou quatre personnes qui nous attendaient à la gare.
Je me rappelle qu'Albé, je crois, a pris le bouclier de Brennus et parti à pied chez lui après avoir pris un café. Et, comprenez, il n'y avait pas cet engouement. En 45, il n'y avait pas l'engouement qu'il y a maintenant. Une nouvelle mêlée aux 22 mètres permet aux Palois d'affirmer encore leur supériorité par de brusques démarrages. En passe précise, le ballon vole de main en main, un coup de pied à suivre, et l'attaque se prolonge pour se terminer par un premier essai marqué par le trois-quarts centre palois Pierre Lauzard. Les Palois vainqueurs par 11 points à 0 sont champions de France. Vous pensez que vous arriveriez à la crocher cette finale? Mais oui, on le pensait, on avait battu Pau deux ou trois fois dans la saison. La finale, on pensait que c'était une formalité. Là aussi, je pensais qu'on avait été battu parce qu'on n'avait pas su utiliser le ballon. En 1947, c'est le grand retour des finales dans le Sud. Le rugby retrouve ses racines de l'entre-deux-guerres. La finale aura lieu à Toulouse. La décision est prise avant de connaître les équipes finalistes, Stade Toulousain et Agen. Agen protestera, mais la décision sera maintenue. L'événement va prendre une importance considérable et devenir une formidable fête populaire. Nous sommes tombés à une époque où tout le monde s'est défoulé. 44, 45, 46, tout ça. Tous les gens étaient partis. Il y en avait beaucoup qui étaient partis de Toulouse y revenir. C'était quelque chose de poignant. En maillot blanc rencontre le Stade Toulousain en finale du championnat de France de rugby. Les spectateurs débordent sur la piste, sur les toits et l'ambiance est passionnée. Mêlée, sortie pour Agen. La ligne des trois quarts part à l'attaque. Terrien a suivi et marque le premier essai pour Agen. Mais sur une descente de Toulouse, un incident se produisit par la faute d'Agen. Le public envahit aussitôt le stade et 25 minutes durant, le rugby s'y place aux discussions et aux palabres. Agen quitta le terrain et le son méridional est dense, ce fut vraiment une histoire sérieuse. C'était même pas un coup de pied, il t'a enlevé le ballon. Enfin bon, c'était fait. Les Agenais avaient fait mine de vouloir quitter le terrain. Le public les avait renvoyés sur le terrain parce qu'ils n'acceptaient pas d'avoir fait des kilomètres pour venir assister à cette finale qui est une finale haute en couleur. Alors, l'arbitre a vu Basquet, il a incité à sortir, Basquet est sorti, le match a repris et à la mi-temps, Basquet est revenu. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Rien. C'est la première fois que je le dis, rien. Mais de suite, les joueurs, c'est Basquet. Bon, et l'arbitre qui était de Valence à Agen, parce que je l'ai connu après, parce que j'ai fait partie de la fédération, et nous avons parlé, enfin bon, tout ça, ça c'est pas vrai, puisque deux minutes après, Sanchez est allé marquer l'essai. Alors là, c'est... Toulouse, qui menait par 6-3, lança une dernière attaque. Dutrin s'entra au pied sur ses avants, les trois quarts reprirent, et Bergougnon réussit un drop goal, qui porta à 10, le score en faveur de Toulouse contre 3 pour Agen. Non, ce qui nous intéressait, c'était le jeu sauvage, le vrai jeu du rugby. Voilà. Est-ce que pour ce vrai jeu, par exemple, est-ce que vous avez appris à taper des coups de pied ici? Mais des coups de pied, on n'apprenait pas, c'était inné. Les coups de pied, les passes, le ballon qui voltigeait, tout ça, non, c'est le rugby sauvage. J'ai joué en 38, je disais tout à l'heure, donc, j'ai joué les levées de rideau. Et Jean Daugé, lui, jouait les grands matchs. Je me rappelle une fois au Peugeot, à Stade Toulousain à Bayonne, il y a un ballon par terre et Daugé devant moi, qui va pour prendre la balle. Et moi derrière, je disais, tu vas y foutre un bouchon, tu vas te régaler. Parce que plaquer un monsieur comme Daugé, c'est quelque chose. Puis il a poussé le ballon avec une main, zip, et il m'a foutu un démarrage. Il peut tomber sur l'herbe. C'était quelqu'un, hein. Il avait, avec une très grande foulée, il avait exactement les mêmes possibilités de changement de pied et de direction que s'il avait eu une foulée de 40 cm. Si bien qu'il était absolument imprévisible, et même très près de lui, on n'était jamais sûr de le prendre. Finale du championnat de France de rugby à 15 à Toulouse, Lourdes en maillot blanc contre Toulon. À Toulon, le numéro 15, ici sérieusement plaqué, s'appelle Marcel Baudrero. Évidemment, toute la France ne parlait que de cette finale. D'ailleurs, j'ai des trucs là, vous voyez. Toulon était représenté par la cuirassé, Lourdes par le rouleau compresseur, et tous les mordus toulonnais disaient on va les bouffer, etc. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas parce que nous avons pris un essai sur mêlée enfoncée. Dans nos 15 mètres. Vous l'envoyez, c'est ici. Ah, je le revois, oui. On me le reproche toujours. C'est loin à l'arrière, Marcel. Oui, mais enfin,
Oui, c'est parce que à l'époque, arrière, moi j'aimais contre-attaquer, j'aimais jouer, tout ça, hein, et on me le reprochait des fois. Il fallait un et boum, taper un toucher pour pas fatiguer les avants. Sortie de mêlée pour Lourdes qui attaque. Vassal, serré de très près, lâche la balle près du but. Les frappes bondissent opportunément et marquent l'essai. À garantie, on revient quand là, avec quand même, on était mieux armés. On a une bonne demi-ouverture, on a de bons petits 3-4 centres, et surtout, on a deux ailiers. On a deux ailiers qui aiment le ballon, qui aiment le toucher, qui aiment marquer des essais. Et puis on a un arrière qui commence à se manifester, c'est mon frère. C'est important, ça. Hein. Et ça ne va pas tarder à payer. Dans le Tarn, le rugby est fortement implanté. À Castres, sur les bords de la Goutte, le développement des filatures va aider l'équipe du Castres Olympique. Ici, comme partout, c'est la réussite économique qui va faciliter le recrutement. C'est ainsi que nous avons accueilli deux joueurs de Narbonne, Boyer, Eugène Boyer, qui fut champion de France en 1936 avec le Racing Club Narbonnais, et Jouvet, qui est venu ici avec la famille. Ils se sont installés et ils ont apporté à l'équipe un gros apport, très utile. Et c'est parti un peu de là. C'est à ce moment-là où, sous l'impulsion des frères Maffre, deux filateurs d'ici, enfin un filateur et l'autre qui est un gros transporteur, ont voulu monter une grosse équipe. C'était un peu les sponsors du club. Ah oui, c'était les gros sponsors. Quelle était l'âme de cette équipe sur le terrain? C'était Jean Matteu. Il entraînait tout le monde. Comment avez-vous réussi à le convaincre de venir à Castres? Il était venu jouer à Castres, un match de poule, je crois, avec l'équipe d'Agen, et nous avons été battus dans les dernières minutes par Agen, qui, grâce à Matteu, sur le côté fermé, je le revois encore, a marqué un magnifique essai, et nous avons été battus. Et beaucoup de supporters enthousiastes, vous savez, il y avait beaucoup d'enthousiasme à ce moment-là. Ça faisait corps, ça vivait. On dit, mais pour renforcer notre équipe, voilà un joueur qui nous ferait bien l'affaire. 30 000 fanatiques, dont seul l'enthousiasme n'est pas douché, assistent à Toulouse à la finale du championnat de France de rugby qui oppose Mont-de-Marsan, maillot clair à Parment noir, à Castres, maillot mouillé. Le terrain des 30 et Vœux n'est évidemment pas favorable aux prouesses. Pourtant, Montois et Castres réussissent à pratiquer sur ce marécage un jeu vif et audacieux qui sauve de l'échec cette finale tant attendue. La pluie, la boue, un déluge. Un déluge pendant les 40-20 minutes. Il y a des prolongations? Non. Oh non, l'arbitre a jugé vraiment que ce n'était pas possible. Et vous êtes déçu à la fin du match? Oui. 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 3-3, un essai de chaque côté. Je suis passé par le terrain de tennis, de Colère. Je suis parti avec eux sans rien dire à personne, à Saint-Jean-de-Luz. J'ai passé toute la semaine là-bas. Et je suis arrivé à Toulouse avec M. Roy, un camionneur, toute la nuit dans son camion. Oh, j'étais en colère. Hein. Oh, que j'étais en colère. Ah, ça fait quelque chose. Hein. Alors, quand vous l'avez rejoué, alors vous étiez... Alors, on était... Parce que, je vous assure, quand ils sont rentrés sur le terrain, je les vois, les Montois, encore. On était rentrés par le monument aux morts, par derrière. Quoi. Et ils rentraient... Je crois bien qu'on était rentrés par là, je ne veux pas dire bêtises. Ils rentraient fiers, vous savez, ils étaient là. Ils ont la tête haute et tout, là, monsieur. Oh, pam, pam, oh là là. Et en disant entre nous-mêmes, vous allez voir tout à l'heure, ça ne va pas se passer comme... Pff, non, mais ça bombait dur, hein. Ils ont tenu un moment, et puis après, ils ne tenaient plus, ils se sentaient, ils peinaient, ils étaient là, ils peinaient. Et le dimanche suivant, sous un soleil resplendissant, alors, un magnifique soleil de printemps, nous avons gagné 14-3, un match relativement facile. Et en 50, vous y revenez en finale. L'année d'après, vous y revenez avec 4, vous habituez. Oui, oui, oui. Et là, c'est contre le Racing. Et le match. Finale à Toulouse du championnat de France de rugby à 15. Castres et le Racing, maillot rayé, s'élance avec ardeur à la conquête du titre. Bien que dominé en technique pure, le Racing a des réactions brillantes, comme cette échappée de Porto qui a bouclé un splendide essai entre les poteaux. Sur le coup de pied de l'avant, Porto était derrière moi, puisque j'étais en défense. Il a pris le rebond, et puis alors, il s'est décalé, il est parti vers le centre du terrain.
Maurice Simard avait essayé de le rattraper, mais il n'a pas pu. Il a marqué un essai qui a enthousiasmé le stade. Et vous en marquez un aussi, non? Oui, j'en marque un aussi. Oui. Alors, et comment le vôtre? Eh bien, en coin, sur une passe de Pierre-Antoine, je crois, sur le côté fermé. La réaction des joueurs méridionaux est rapide, et les joueurs de Castres reprennent l'avantage à la marque. Attaque à son tour et dans un style peut-être moins pur que celui du Racing, marque un nouvel essai qui lui donne la victoire et le sacre champion de France. Majestueux, le stadium municipal de Toulouse va essayer de faire oublier le vieux terrain des Ponts Jumeaux. Il s'inaugure avec une finale surprise, Carmaux-Tarbes. Les mineurs de Carmaux garderont longtemps le souvenir de ce jour de gloire. Dans les années 50, avec 6 titres pour 7 finales jouées, Lourdes va s'affirmer comme la plus grande et la plus complète des équipes produites par le rugby français. Jean Prat devient Monsieur Rugby. Sa plus grosse qualité, elle est là, c'est l'obéissance. Ça, quand il était décidé de faire quelque chose, tout le monde s'appliquait à le faire. Et alors que vu de l'extérieur, ça paraît être idiot. On dit, bon, ça n'a aucun charme d'annoncer quelque chose et de le faire. Mais en rugby, croyez-moi, c'est là que ça se passe. C'est ça qui est le plus intéressant. Annoncer quelque chose et réussir à le faire. C'est-à-dire arriver à concerner, pas 15, mais aussi, et pourquoi pas si l'arrière intervient, arriver à concerner 15 types sur une action précise, ça c'est du boulot. Voilà. Et quand on arrive à faire ça, ben, on a la maîtrise du jeu et c'est impeccable. Là, c'est du régal. Les Catalans, d'abord stoppés, attaquent sans cesse. Mais malgré un courage et une volonté remarquable, ils ne peuvent empêcher Lourdes de remonter. Et non seulement les Lourdais remontent, mais ils remportent une fois de plus le titre de champion de France en battant l'USA Perpignan par 20 points à 11. Donc en 53, vous y revenez. Hein. En 53, on revient contre Mont-de-Marsan. Ouais. Oui, contre Mont-de-Marsan, qui était une équipe terrible, c'était une belle machine de championnat, ça. Hein. Oula, il y avait des avants de combat extraordinaires. Puis Boniface rentrait, là. Mais quand même pas tellement bien entouré derrière. Donc, Mont-de-Marsan, c'était une très grosse ligne d'avant. Puis derrière, ça manquait d'imagination. Quand, par exemple, les avants disent que ça commence devant, on a toujours été persuadé de cela. Et je retiens là quand même sa réponse à lui, ça commence devant, mais il ne faut pas que ça y reste. Hein? Il y a tout ce qui s'enchaîne derrière. Mais non, nos actions derrière ne commençaient jamais à la sortie d'une phase classique, c'est-à-dire mêlée aux touches. Ce n'était pas quand le demi de mêlée à la sortie avait le ballon que cela commençait. Non, c'était au départ. On demandait à ce qu'il y ait une participation dès avant par rapport. J'allais demander par exemple un ballon pour faire quelque chose derrière. Mon action commençait à l'introduction, non pas à la sortie. La Vazuille à l'ouverture sert Maurice Pas. Estrade marque. Victoire in extremis de Lourdes qui garde son titre par 21-16. Moi je l'ai vécu comme un gamin. Et entre autres, je voyais pleurer des gens de mon équipe qui avaient 30 ans, moi j'avais 17 ans et demi, 18 ans, bon, je voyais pleurer tous ces anciens et je me suis mis à pleurer pour leur faire plaisir. Bon, j'ai entendu des acclamations dans le stade, tout le monde disait c'était beau, bon, moi je ne savais pas si ça avait été un bon match ou pas. En 54, la France s'enlise à Dien Bien Phu et les caméras ne couvriront pas une finale inattendue, Cognac rencontre Grenoble qui ne rêve que de Lourdes. Moi je voulais Lourdes en finale, pour avoir une finale somptueuse et je rencontre Cognac. Croyez-moi, Cognac c'était quelque chose, c'est un morceau. Ils battent Lourdes 21-20, c'était quand même quelque chose. Hein. 21-20, il y avait des joueurs, Lagrange, Porchier, c'était la légion des éléphants à l'époque. Et, enfin, déception tout affective. Hein. C'est une déception affective, ce qui, lorsque l'on rencontre une équipe comme Lourdes, qu'on la bat, 21-20, ça veut dire quand même que l'on est fort au rugby et que l'on mérite d'aller en finale. Le grand tournant du match,
C'est une histoire anecdotique qui est, je râle toujours après les footballeurs, moi qui roule, mais ce jour-là, je me tire encore en fond de touche, Biennes me prend juste au passage, et avec, il me file un marron, il me pète le nez, il me pète le nez, il me le casse pas. Je saigne du nez, et alors, à ce moment-là, boum, je tombe devant les grandes tribunes du stadium, et musique, là, vraiment musique. Baquet vient me relever. Je lui dis, écoute, barbouille-moi de sang. Il me barbouille de sang, je tombe une fois, deux fois. À la troisième fois, il me dit, oh, tu arrêtes maintenant. Pendant 10 minutes, je dis 10 minutes, hein, des fuées, Cognac ne peut plus jouer. Ils sont ligotés, ils sont farcis, c'est terminé. Mais ça vient, et j'en suis certain, moi, justement, de cet arrêt de jeu qui a duré, à cause de ce malheureux coup de poing de Biennes qui m'a juste fait saigner. À Bordeaux, le soleil et 45 000 spectateurs s'étaient donné rendez-vous pour la finale du championnat de France de rugby qui opposait les équipes de Perpignan en maillot clair et de Lourdes en maillot cerclé. Est-ce que vous les craignez avant le match, ces Lourdes ? Non. Non, on s'attendait à tout. C'est une équipe, vous comprenez, c'est une équipe qui connaissait bien les ficelles, une grande cohésion. C'est une équipe qui joue ensemble depuis des années, hein, des joueurs de classe. Alors, à tout moment, avec eux, il fallait s'attendre à prendre des points, à tout moment. On craignait l'arbitre. On a décidé avant le match de lui parler. Alors quand il nous a fait la recommandation, je l'ai arrêté, il repartait, il venait parler à Jean Prat et moi-même. Je l'ai arrêté et je lui ai dit, vous savez, vous avez habité en 52 à Béziers, on n'a pas été content de vous. Si cet après-midi, c'est pareil, nous quittons le terrain. Il y a 40 000 spectateurs, nous quittons le terrain, nos dirigeants sont d'accord. Alors, il est devenu écarlate, et voilà. Enfin, il n'y a pas eu de... Il n'y a rien eu à dire. Il a fait taire Jeannot Prat qui parlait beaucoup, et bon, ça s'est bien passé pour nous, puisqu'on a gagné. Alors là, on tombe sur des Catalans motivés, ouais. qui nous étouffent, qui nous empêchent de jouer le jeu. Mais eux, sans jouer, hein, eux, nous nous ont rien fait voir. Il y a plus de 40 oui, 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 mais ce que je veux dire, c'est au point de vue qualité de jeu, c'est nous qui faisons les frais du match, et c'est les autres qui en tirent les marrons du feu pour l'USAP, quoi. C'est nous qui faisons le spectacle, c'est eux qui gagnent. Ça, moi, je l'ai dit, on en reparlera de cette affaire-là. On verra qui durera le plus longtemps à ce jeu. Mais c'est pas eux, hein. L'émotion grandit dans le stade, car les Catalans, qui ne sont plus menés que par 6 à 5, sont maîtres du ballon. Cependant, Maurice Prat réussit une belle trouée, la seule du match, hélas, et bientôt, Perpignan repart à l'attaque. À la suite d'une action assez confuse, le ballon parvient à Garrigue, l'ailier catalan, qui se sauve le long de la touche, échappe à Delourdet, et marque. Perpignan remporte le match et le titre par 11 à 6. Deuxième mi-temps, le Lourdes Domecq face à Manderola qui menaçait donne à Rancoul. Albaladejo tape l'attaque et veut répliquer, mais Dax ne pourra rien contre une équipe de Lourdes parfaitement organisée dans tous les secteurs du jeu. L'équipe de Dax aussi était une équipe qui était composée de rien joueurs. Hein. Il y avait Otas, il y avait Lascarossa, il y avait Bala qui débutait là. C'était très bon, ça. Mais jeune, hein. Jeune. Et chez nous, là, ça commençait à devenir une équipe pleine d'expérience et difficile à manœuvrer. Hein. Et Jean, le drop, ça représentait quoi, en fait ? C'était une décision très personnelle de tenter un drop, ou pas, hein ? Ah non, ça c'était un réflexe, moi, incontrôlé. Je sais pas si c'est... J'attirais peut-être le ballon, mais me trouver en possession du ballon comme ça dans les 30-40 mètres, c'était une catastrophe. Là, ça partait, là. Vous ne pouviez pas vous en empêcher. Ah non, ça partait automatiquement, j'avais le ballon du pied, là. Et même sans quelquefois le préparer sur un mauvais renvoi de l'adversaire, c'est surtout comme ça que ça se passait, ou sur des renvois aux 22 mètres, des trucs comme ça. En battant Dax par 20 points à 0, Lourdes s'installe confortablement pour la quatrième fois à la tête du rugby français. Marc Souza, Crost, Monflat, ils vont reconstruire le Racing et tout faire pour ramener le bouquet de Brennus à Paris. Lourdes, pour nous, c'était le saumon. Quoi. Il y avait Jean Prat, il y avait Maurice, il y avait Martine, il y avait les Labazu, il y avait tous ces garçons-là qui étaient nos exemples. Quoi.
pour nous, si vous voulez, c'était un baromètre. Et on cherchait à se mettre au niveau pour se mesurer. Et la contre-attaque de Lourdes se déploie. Antoine Labazuit, Tariq, celui-ci recentre du pied. L'arrière du Racing Vanier rate l'interception et Rancoul qui a suivi en profite pour marquer le premier essai d'une mi-temps où Lourdes s'imposera sans discussion. Antoine Labazuit qui joue à l'ouverture est passé... Pas sorti du jeu, mais a doublé l'arrière et je suis passé à l'ouverture. Et la défense de Moncla et Michel Crost, qui à l'époque jouait troisième ligne au Racing, a changé. Ils ont continué à défendre comme auparavant, ils montaient sur Maurice et sur moi. Et le coup de surprise, ils n'ont pas vu qu'Antoine n'était pas là. Et moi, je suis arrivé sur eux, j'ai feinté la passe et j'ai fait 80 mètres. J'ai servi Rancoul qui a marqué l'essai. Et je pense que le match a basculé à partir de là, parce que le Racing... revenait très fort. Grâce à une fort belle percée de Martine et à la vitesse de Rancoul, ils augmentaient leur avance. 16 points à 10. Trop tard pour le Racing, Vanier réussissait un coup de pied tombé. Lourdes était champion de France. J'ai arbitré la finale Lourdes-Mazamé. Deux joueurs de talent qui dominaient l'eau, c'était Lucien Mias et Jean Pratt. Lucien Mias était un technicien du rugby. Alors que Jean Pratt, au contraire, était un garçon spontané, qui était un surdoué, qui était doté d'un coup de pied extraordinaire, et qui sentait le rugby par tous les ports. J'ai parmi mes souvenirs là, une photo d'avant-match où il se serre à la mer avec la plus grande cordialité. Quoi. Le match n'avait pas été difficile, étant donné la grande chance des Lourdes, qui dans les 10 premières minutes avaient réussi à marquer 6 points, et ils avaient tout de suite fait le break. Et les Mazamétains, qui jouaient pourtant très bien, ne sont jamais revenus à hauteur. Et pourtant, il y avait eu quelques actions remarquables, il y avait de grands joueurs, il y avait Mias, bien sûr, mais il y avait un demi-mêlé extraordinaire, c'était serein. On sentait quand même que cette équipe de Lourdes avait un cran au-dessus de nous. Je vous dis, le gros malheur pour nous, c'est de les avoir rencontrés 15 jours avant. Parce que là, ils ont étudié nos forces, nos faiblesses, et ils ont su vraiment nous prendre où il fallait. Parce que Mazamé, cette époque-là, cette année-là, n'a perdu qu'un seul match, la finale. Sur mêlée ouverte, Serin s'échappe, évitant les frères Labazuit, serre Dufault à l'intérieur. Coup de pied à suivre, Caglio déborde irrésistiblement et marque un splendide essai. Lourdes 12, Mazamé 8. Quel suspense! Mêlée, Labazuit passe à Maurice Pratt qui sert Tariq. Martine attire à lui la défense adverse, coup de pied à suivre. Tariq, encore lui, marque un nouvel essai. Par 25 à 8, Lourdes est champion de France. Et Lourdes réalise un triplé historique. L'équipe a une écriture de jeu, elle est la gloire du rugby français. J'aurais voulu que Mont-de-Marsan joue comme Lourdes. On n'est jamais arrivé. On est arrivé à jouer des matchs plus beaux que peut-être que l'on fait les Lourdes, mais c'était pas constant. Lourdes, c'était la méthode, c'était parfait. Moi, j'aurais voulu que Mont-de-Marsan... Par exemple, les avants, à Lourdes, il y avait une chose. Les avants étaient au service des trois quarts. Tout était commandé, tout était automatisé, c'était bien. Un ballon qui sortait d'une mêlée, si la balle devait arriver derrière au trois quarts, il n'avait pas le droit d'être arrêté par le pied d'un joueur. Sinon, le gars, il recevait un coup de pied au cul par Jean Pratt. S'il voulait la garder, il la gardait, la balle. S'il devait sortir, il fallait que ce soit le plus limpide possible. Elle partait derrière, et en retour, il y avait des coups de pied au centrage, il y avait des recentrages à la mer à l'intérieur, par les centres. Les avants étaient retrouvés toujours le ballon. Mont-de-Marsan n'était pas découragé, mais juste avant la mi-temps, le Racing partait à l'assaut par un essai de grande envergure, marqué par le deuxième ligne, Boire. Il soulevait d'enthousiasme 40 000 spectateurs et M. Frey, ministre de l'Information. Mont-de-Marsan menait 8 à 0, ne s'avouait pas battu. Au début de la deuxième mi-temps, Dagès servait Boniface, c'était l'essai pour les Montois, mais le seul de la partie. Et puis il est arrivé quelque chose d'extraordinaire, un quart d'heure à la fin, Moncla... c'est dévié l'épaule et il est sorti et il est revenu l'épaule bandée incapable de faire quoi que ce soit. Et bien j'ai vu cette chose extraordinaire, c'est que dès qu'il est rentré sur le terrain, ses copains sont devenus 14 lions et ont bouffé littéralement les stades montois et les ont battus. Et si ça avait duré, il aurait fouillé 20 points de plus. Moi, cette finale, je l'ai mal vécue, parce qu'on aurait dû faire un grand match au rugby. On a été minable, on a perdu en plus. Et j'avais entendu l'entraîneur, qui était Cazenave, et avec Pierrot Lacroix, faire une interview. J'avais demandé qu'on me repasse la bande de leur interview. Ils avaient dit, si on rejouera, on rejouera pareil. Et j'étais rentré dans la salle
de restaurant, j'avais cassé une chaise et tout. J'ai dit, si on rejoue, on jouera pareil, on perdra pareil, et on sera aussi nul. Si on rejoue, on rejouera pas pareil, si on veut gagner, on refera pas pareil, il faut changer quelque chose. Peut-être le lacet de la chaussure, mais il faut changer quelque chose. Malgré la blessure de Montla, le Racing devenait champion de France. Il y avait 57 ans, il n'avait pu conquérir le titre. Il reçut enfin le bouclier de Brennus des mains de M. Chaban-Delmas, ancien trois carrel de l'équipe de France. À 10h30, 11h, j'étais à mon boulot, à Issy-les-Moulineaux. J'étais arrivé à mon boulot, mais on m'avait dit, vous êtes en retard, M. Marquez-César. J'ai dit oui, j'étais à Bordeaux, à la finale, à Bon, on m'avait dit, c'est tout. Voilà. Après le repos, les Lourdes se montrent plus agressifs encore. Concluant une magnifique envolée des trois quarts, Prost surgit et écrase un essai que la base lui transformera. C'était quoi l'école lourdaise? Moi, je réfute cet argument. L'école lourdaise, ça n'existe pas. Je pense qu'on peut dire des Lourdais qu'ils ont aimé jouer le jeu qu'on n'a pas inventé, hein, qu'on a vu déjà jouer. Nous, on s'est beaucoup inspiré, comme l'a fait le grand Boniface de Mont-de-Marsan, de Jean Doget, de l'Aviron Bayonnais, des Elissalde, des Sélaï, des types comme ça qui faisaient preuve d'une dextérité extraordinaire avec le ballon, qui couraient, qui descendaient le terrain, qui marquaient des essais de 80 mètres. Voilà, c'est de ça qu'on s'est inspiré. Taillant tout Jean, pilier gauche, 4 finales, 4 gagnés. Alors Pirodes-Luz, talonneur, 3 finales, 3 gagnés. Mantero la Diochette, pilier, 3 et 3ème ligne, 7 finales, 6 gagnés. Di Calvo, 3 carrels, centre ou arrière, 3 finales, 2 gagnés. Antoine Labazui, 8 finales, 7 gagnés, 2 mille d'ouverture. Renko Lanry, 3 carrels, 4 finales. Henri Domecq, 3ème ligne, 5 finales. Roger Martin, 6 finales, 3 quarts centre, 6 finales, 5 gagnés, 1 perdue. Jean Prat, 3ème ligne, 9 finales jouées, 6 gagnées. Même les grandes équipes, un jour, s'effacent. Les années 60 seront des années éclatées. Le bouclier de Brennus voyage. Béziers, Agen, Mont-de-Marsan, Pau, Montauban, un dernier crochet par Lourdes, Bègles, La Voulte. Les finales 60, c'est aussi les grands perdants de l'histoire. Dax, Brive, Montferrand. Mais c'est d'abord le Languedoc, avec une première génération biterroise, née sur le stade de Sauclières. Tout de même, il y a eu un grand moment dans ce match. Ce moment, le voilà. Ballon pour Béziers à 5 mètres de la ligne de but de Dax. Un admirable coup de pied de Danos, un de ses coups de pied comme on en donne un tous les 50 ans sur un terrain de rugby. Béziers marque 3 points de plus. Cet exploit donne la victoire à Béziers par 6 à 3. Vous avez l'habitude de m'entraîner, de taper de 5 ou 6 mètres du bord de la touche, du bord de la ligne de but. Parce qu'en principe, les adversaires, la troisième ligne, ne pensent jamais qu'on va tenter un drop de là. Et ça me laissait donc le temps, un dixième de plus pour ajuster mon coup de pied. Béziers sur drop goal va égaliser. La maturité des Biterrois paraît surclasser la jeunesse de leurs adversaires. C'est à Toulouse et Béziers rencontre Agen. Le Biterrois près de la ligne de but. Elle tourne, elle s'écrase et Rondy marque. 62, cela est inoubliable. Elle est inoubliable par la façon dont elle a été gagnée, par le rythme que Pierre Lacroix a imposé avec ses joueurs, ce rythme qui a mis à genoux la S. Biterrois. Il avait une qualité essentielle, c'est qu'il voulait toujours accélérer. Or, à ce poste de demi-mêlée, c'est une importance capitale. Agen bat Béziers, 14 à 11. Agen est champion de France, ce qui ne lui était pas arrivé depuis 1945. Un essai refusé. Puis un drop d'André Boniface qui rétablit l'égalisation. Enfin, un autre drop du petit Lestage sur les étapes de la victoire au forcing 9 à 3 de Mont-de-Marsan. Personne ne se souvient bien, à 5 minutes de la fin, sous la pluie torrentielle, on n'y voyait pas 50 mètres, je fais une passe croisée avec Guy sur une mêlée et la croix était battue. Physiquement, je savais qu'ils étaient battus. C'était dans les 22 de Dax, on fait une passe croisée sous la pluie. Guy perce, il redonne à notre joueur Caillot qui marque. Entre les poteaux, sur une glissade, mais en laissant le ballon bien au-dessus, c'est à hauteur de sa tête, et l'arbitre Capel, qui sur 20 mètres avait été capable de faire à peu près 4 mètres, avait refusé l'essai. Je
Je crois que ça aurait été symbolique pour nous. Et je le regrette beaucoup. Parce que 80 minutes d'effort sans attaquer, dans ma tête, c'était plus difficile que tout. L'arbitre aussi, sur les championnats de France, on touche plus le sol. Parce que les gens vous transportent. Hein. Ils vous tirent le maillot, ils vous touchent plus terre. Moi, j'ai un canotier, j'ai des photos, j'ai un canotier sur la tête, je suis ridicule, mais ça fait rien, je ne sais pas où on est. Et puis, là, je m'en vais vers le tunnel, transporté par les gens, et j'arrive sous le tunnel, on me dit, mais il y a le bouclier de Brennus à prendre. J'avais complètement oublié cette œuvre d'art. Et puis, je suis monté sur une petite échelle tordue, biscornue, et j'ai pris le bouclier, et c'était Chaban Delmas qui m'a remis. À Pau, sur le vieux stade de la Croix du Prince, les clameurs se sont tues. On ne croit plus à la section paloise. Nous revenons en finale en 64 avec la section paloise, après avoir fait un début de saison très difficile, puisque beaucoup de supporters, alors là on en avait de trop, les supporters Fana avaient même déchiré leurs cartes, et il a fallu qu'ils en achètent d'autres pour pouvoir se présenter sur le terrain à la finale. Et on a progressé petit à petit, on est arrivé en finale contre Béziers. Je ne sais pas quelle était l'équipe au monde qui aurait pu nous retenir ce jour-là. J'ai pas vu la finale, je n'ai vu que le retour des champions de France. Ça m'avait marqué parce que vraiment une foule énorme à Pau, on voit, je me rappellerai toujours de François Monclat qui dirigeait ce cortège au milieu de cette foule énorme. Et j'avais vu la même foule d'ailleurs quand Khrouchtchev avait été venu dans cette ville de Pau. C'est les deux seules occasions où j'ai eu cette impression de foule comme ça qui s'amassait sur des gens, quoi. À Lyon, devant 30 000 spectateurs, Agen et Brive vont disputer l'une des plus belles finales de l'histoire du rugby. Au cœur de ces années 60, Agen s'impose quand même comme le leader. C'est un jeu épanoui avec des avants dynamiques et un ballon qui circule. Et Brive est un bel adversaire. C'est une très belle fête du rugby qui précède une autre fête gâchée pour se doubler à Genève. On reparle de rugby des muertes. Trois joueurs seront radiés à vie. C'est la quatrième finale perdue par Dax et son capitaine Pierre Albaladejo. C'est alors que des brutalités inadmissibles vont entacher gravement le cours du jeu. Agression et vendetta indignes de joueurs disputant une finale. Des sanctions sévères seront sans doute prises et il ne sera plus question du match revanche. Bordeaux va vivre son avant-dernière finale avec une rencontre inédite entre Daigle et Montauban. Le match va s'équilibrer jusqu'à la 70e minute, mais sur une sortie de mêlée favorable, Dens sert Sahuc, qui lance Longios, qui déborde en coin. Montauban mène par 6 points à 0. À Montauban, dans ma vie, j'ai vu deux fois du monde. Quand je dis la ville entière dans les rues. La première fois, malheureusement, j'avais 11 ans. C'était en 1944 la libération pour les obsèques des jeunes qui avaient été tués en ville. C'était une mer humaine. Bien là, c'était triste, c'est bien sûr, cette époque-là. Bon, et puis alors après, j'ai revu la mer humaine. Hein. Quand nous avons été champions de France, que nous sommes arrivés à la gare, une mer humaine, on ne peut pas dire s'il y avait 25 ou 30 000 personnes dans les rues, on ne le saura jamais, mais c'était une mer humaine. La fermeture de la Sorbonne, où la police était entrée pour la première fois sur réquisition du recteur, faisant suite à la fermeture de la faculté de Nanterre après une longue période de crise, tels sont les motifs de surface de la poussée de fièvre estudiantine qui vient de mettre le quartier latin de Paris en état de siège. En mai 68, plus de finale possible, l'esprit est ailleurs. Ça bouillonne parce qu'il y a d'abord l'inquiétude, la perturbation, et puis bon, les discussions étaient beaucoup plus sur la situation des événements en France à l'époque que sur la finale même à jouer ou sur les matchs de rugby. Le rugby était devenu tout à fait secondaire. On jouait dans des conditions sur un stade avec des policiers, avec des chiens, avec cette ambiance lourde qu'il y avait dans les tribunes, dans l'atmosphère, il faisait un temps très 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 lourd, c'était au mois de juin. Bon, et puis cette angoisse qu'on avait eue depuis pratiquement un mois, on remettait les finales, je pense que c'est quelque chose qui... Enfin, moi, c'est quelque chose qui m'avait marqué pour quelqu'un profondément. Lourdes donne le coup d'envoi dans le match qui l'oppose à Toulon en finale du championnat de France de rugby 15. Le terrain essouffle. À la 29e minute, Lourdes ouvre la marque par un drop de Gachassi.
10 minutes plus tard, une offensive lancée par Mir qui passe à Dunay, lequel transmet à Latan. C'est l'essai lourd de 6, Toulon 0. Car il n'y a pas de transformation. Ce sera le score à la minute. Il faut dire aussi que j'avais face à moi celui qui était mon idole, celui qui était l'homme que j'admirais le plus et que j'avais remplacé en équipe de France, c'était Michel Crost. Donc il était sur le fin de sa carrière et je l'avais comme adversaire direct. C'était un peu l'élève et le maître, si vous voulez. On avait, au niveau de l'état d'esprit, je crois qu'on avait fait un petit peu un complexe vis-à-vis de Lourdes. On n'était pas les seuls. Mais je pense qu'avec le recul du temps, moi, c'est quelque chose qui m'avait un peu marqué. À la reprise, on assiste à une bonne réaction toulonnaise. Toulon, en effet, montre une ferme décision de remonter le handicap qui n'a nullement atteint son moral. La récompense vient à la 48e minute. Des 48 mètres, Labouré marque un superbe drop. Deux minutes plus tard, sur hors-jeu de Gachassin, Labouré marque. Nous sommes à 6 points partout. Il faut jouer les prolongations. À la 91e minute, Labouré rate la balle. Le Tan plonge et marque. Lourdes 9, Toulon 6. À la 94e minute, Labouré réussit son troisième but qui vaut l'égalisation à Toulon. C'était long, oui. D'abord parce qu'il était repoussé de dimanche en dimanche, et ensuite parce qu'on a terminé sur un score nul 9 à 9. Mais enfin, disons que nous avons plus ou moins partagé le bouclier ce jour-là avec les Toulonnais, nous les battons parce que nous avons un essai de plus. Vous le savez dans les dernières minutes, vous le savez quand 9-9 c'est gagné, vous le savez. Ah oui, ça on le savait. Le règlement quand même, on connaît un petit peu. Non, nous ne savions pas. Non, nous ne savions pas sur le terrain, on ne le savait pas, parce qu'en fait, je crois que beaucoup, comme beaucoup de rugbyman, nous n'étions pas très connaisseurs en matière de règlement. Hein. Donc, au sortir même dans les vestiaires, nous pensions que la finale allait être rejouée. Lourdes rejoint le Stade français avec 8 titres. Toulouse retrouve son rugby et le Stade toulousain va rencontrer Bègles à Lyon. C'est David contre Goliath. Jean Priot joue à Bègles. On était un groupe de révoltés. Un groupe qui était toujours en lutte contre les autres équipes qui avaient les moyens que nous n'avions pas. Quoi. Et on nous a toujours appris et indiqué que la révolte était le meilleur sens pour essayer de réduire l'inégalité. Quoi. Donc on a été instruits dans ces valeurs extrêmement profondes et qui étaient ancrées quand même au plus profond des joueurs qui étions pour la plupart étudiants, quoi, donc qui étions assez disponibles à l'esprit et prêts à cette révolte-là. Le trois quarts simple trio survit et file sous les poteaux sans être rejoint. Le score est lourd pour les Toulousains qui vont réagir par leur ailier noir Bourgarel qui fonce et redonne à l'intérieur à Puig. Celui-ci se fait plaquer mais donne à Villepreux. L'attaque cependant échoue. Bègles est champion de France pour la première fois. À Clermont-Ferrand, sur le stade Marcel Michelin, la finale contre la Voulte a brisé le rêve. On n'a pas joué le match. Il est tout à faire, il a encore à faire. C'est dommage, il est à faire. Et quand l'arbitre aussi, alors qu'est-ce que tu ressens? C'est une immense déception. Sur le coup, c'est une immense déception. Les larmes sont revenues parce que on n'a pas fait ce qu'on devait faire ce jour-là. Et on n'a pas donné le meilleur de nous-mêmes, oui, mais... Le meilleur physiquement, on l'a fait. Techniquement, non, on l'a pas fait, je crois pas. Sur ce dégagement contré par Guy Gambera-Béro, la balle file vers les buts montferrandais. Le ballon a rebondi sur les trois quarts, il est tombé au sol et l'Aréal, le talonneur, l'a repris. Et comme c'était un talonneur qui était vraiment très très fort, qui avait une grande vision de jeu, il a fait une passe sautée à l'ouvrier à Renaud Vialard qui jouait trois quarts centre, mais qui s'est trouvé en position d'ailier. Il a plongé en but parce que la passe de l'Aréal a surpris tout le monde. De toute façon, c'était pas gagné parce que une ou deux fois on s'en est sorti, on ne sait pas comment. Oui, la Voulte vaincra malgré le manque de réussite de Guy Gambera-Béro qui tire ici sur le poteau. Alors qu'on aurait pu faire 30 points de coup de pied décandé, ce jour-là, rien ne rentre, mais alors, rien. Alors là, je peux vous dire que ça, c'est terrible. Mais ce jour-là aussi, je découvre quand même quelque chose. Et maintenant, à chaque fois que je vois une finale, j'attends la fin et je regarde les finalistes. Parce que ce jour-là, vous voyez les titans clairs. Hein. Parce que personne ne parle du finaliste perdant. Mais ça, c'est dramatique. On voit tout le monde monter chercher le bouclier de Brennus, et puis les autres, mélangés à la foule, en train de pleurer. Personne ne les regarde. Personne ne jette un coup d'œil. Leurs supporters ne viennent pas. Tout le monde regarde le bouclier donné par le président de la République au président de la Fédération, mais les autres, ça disparaît. Et ça, croyez-moi, c'est... Remarquez-le. Cette détresse des perdants d'une finale.
vous allez avoir mal au cœur. Toulon a perdu deux finales contre Lourdes. En 1971, ils vont rencontrer Béziers. Je crois qu'on y croit beaucoup plus parce qu'on a déjà l'expérience de la finale précédente, de la victoire en Dumanoir, et l'équipe est arrivée à maturité tout en ayant de jeunes joueurs comme H, comme Sapa, comme Daniel Herrero qui ont intégré l'équipe, et nous tournons à plein régime. Là, on est convaincu que c'est cette année ou jamais, d'autant plus que nous avons face à nous la jeune équipe de Béziers. Il y avait des joueurs, il y avait des joueurs prestigieux comme Estève, comme Saïssé, comme Armand Macquerin, déjà qui débutaient, qui avaient 19 ans, mais qui avaient déjà, on les sentait déjà mûrs, ils étaient mûrs pour ces rencontres. Et on partait jouer contre les colosses toulonnais, qu'on voyait à la télévision. Moi, en contrepartie, mon idole c'était Gréaré. Je l'apprécie énormément et de le rencontrer en finale, je vous dis pas, j'étais un peu perturbé, le manque de sommeil. Je refaisais la finale toutes les nuits. J'avais entendu parler de lui, que c'était le jeune taureau qui montait, quoi. Bon, que j'ai affronté, que j'avais plaisir à affronter, parce que moi j'avais 32 ans, bon Dieu, si à 32 ans, avant de finir, on me laissait payer un petit taureau, quoi. Le PAC de Toulon est impressionnant. Son chef est une figure mythique de la fin des années 60, André Herrero. Et cette jeune équipe de Béziers, solide, qui n'avait peur de rien, va souffrir sous la pluie bordelaise. Mais à la fin de la première mi-temps, André Herrero, le chef, s'effondre, deux côtes cassées. Les supporters de Toulon et Estève Astassin. Je sors, puis je reviens, puisque j'ai quand même trois fractures de côte, et j'ai deux côtes fracturées à une ou deux endroits. Et je reviens, mais parce qu'à l'époque, on n'avait pas le droit de changer main. J'essaye de rester avec mes joueurs pour prêcher quand même l'exemple, pour continuer à motiver cette équipe qui le méritait très bien. Mais disons que je joue les utilités, quoi. Je suis plus tout à fait plus jouable, quoi. Ouais. Je suis tout à fait diminué. Et on perd pendant à deux minutes de la fin ce fameux contre-attaque de Cantoni qui, quelques instants avant cet exploit, me dit: André, ça y est, t'es content, t'es champion de France. Si je dégage, je suis contré, ce qui peut amener un essai, et donc ce qui m'a permis de pouvoir partir et d'essayer de prendre le champ, comme on dit, et d'essayer d'aller chercher un petit peu de la rescousse. Et la rescousse, je l'ai trouvée devant Fabien, qui m'arrête de manière un petit peu dure, comme on dit. Mais j'ai René Séguier qui est à ma gauche, à qui je transmets la balle. Après, ce que je peux vous dire, c'est que je ne me rappelle plus de rien. Lira Scorza, sur ce coup de pied, a trouvé quand même les bras de Cantoni. Cantoni qui veut contre-attaquer, qui passe deux ou trois adversaires. En pêchant, il a échoué, c'est un travail chez Cantoni. Alors que son trois carrés est passé maintenant, et arrive à l'essai. Après, l'essai national de Séguier, le trois carrés de Béziers. Et le match bascule, Béziers battra Toulon. Une nouvelle génération s'impose sur le stade de Bordeaux. Elle voyagera bien, elle est dès l'année suivante à Lyon. Eh bien, en 72, là aussi, là nous avons dominé davantage. Bien que le Sabréviste avait une grosse équipe également, et là de nouveau ça a tenu à un cheveu. Puget qui s'est fait taper un ballon au moment pas loin d'aplatir, etc. Bon, disons que Cabrel nous fait un festival, il m'a reconnaissé, il a enquillé des premiers camps, etc. Les brivistes qui ne rentrent rien, vous voyez, ça tient à tellement peu. Brive aurait été champion de France, il n'y aurait pas eu trop rien. On les a dominés un peu plus, je pense, que ce qu'on avait dominé contre Toulon, hein, je pense. Béziers oublie son rugby. Dax revient en finale pour sa cinquième désillusion devant de jeunes tarbés. J'aurais aimé que Dax gagne les finales parce que ça, il le mérite.
Mais j'ai assisté. C'est le record des battus. C'est le record des battus. Ils se battent eux-mêmes parce qu'ils se battent dans la tête avant. Je suis allé voir Dax Tarb et je suis sûr qu'ils avaient 20 points d'écart en valeur pure. Et sur le coup d'envoi, j'ai dit Dax ne va pas gagner ce match. Et quand il y a eu le coup d'envoi, c'est Dax qui a tapé le coup d'envoi. Le ballon a fait 20 mètres. Le premier d'accord a dû en faire 6. Ils étaient pétrifiés au départ. Elle est comment cette équipe de Narbonne, avant de rentrer sur le terrain en 74, avant la finale, quel est un peu votre état d'esprit, un peu à tous? Dans cette finale, on a sur ce match, je crois qu'il y a à peu près 28 internationaux sur 30 joueurs. Et je crois qu'il y a un peu dans les deux équipes tous les monstres sacrés du rugby du moment. Et il est évident qu'une finale comme ça est très impressionnante. On a des sensations énormes quand on sait qu'on va jouer une finale, qu'on va jouer en face Cantoni, Astre, Cabrol, Esteve, quand à côté de soi on a Walter Spanghero, Joe Mazo, Gérard Sutra. Enfin, je veux dire. Le ballon sur le fermé, je suis allé cadrer Olivier Saïssé. Ça a dégagé un 2 contre 1 sur l'ailier. Jacques Cantoni a bien navigué au Pépito, je me souviens bien, je crois que c'est Jacques Cantoni, a bien navigué. On a rejoué à l'intérieur sur Walter. Walter a fait un relais avec Belzon qui est allé s'affaler en coin, juste en coin. Et cet essai n'a pas été transformé par Jean-Michel Benaclo. Il m'a fait, c'était. Le match était lancé, là, je veux dire, par là. Match superbement lancé de part et d'autre, chassé-croisé permanent et formidable suspense. Je crois que le match a basculé à la dernière minute quand sur le drop de Cabrol. Et jusque-là, on avait le bouclier en poche. Quoi. C'est sur une touche que Bézier récupère la balle. C'est sur une touche, oui. C'est une touche, c'est une erreur de ma part. Je crois que c'est une touche qui est à nous. Je pensais que la touche était à eux et jusqu'à présent on avait fait touche raccourci et là on s'est mis 8 en touche et les Buterrois ont usé de leur ficelle pour récupérer le ballon et mettre le drop. C'est 15 ans de rugby qui s'effondre, quoi. C'est pratiquement toute une carrière parce que j'ai eu la chance de connaître au niveau international pratiquement tous les honneurs. J'ai joué contre toutes les équipes du monde et souvent victorieux, sinon toujours. Donc, qu'est-ce qui me manquait sinon un titre de champion de France? La base du sport biterrois, du rugby biterrois, elle est ancestrale, date de bien avant. Hein. C'est un jeu qui se veut beaucoup plus axé sur la conquête, sur le jeu des avants, et c'est vrai, je n'ai pas peur de le dire, hein, puisque c'est la réalité, mais où nous avons quand même essayé dans tous les domaines de faire en sorte de mobiliser toutes nos forces, quelles qu'elles soient. En 1975, c'est Brive qui cède devant la pression biterroise. Béziers gagne en maturité et paraît incontournable. Jamais les arrières biterrois n'ont marqué autant d'essais. Notre équipe était tellement sûre d'elle-même qu'elle levait le pied. Et ça, je combien de fois, et même Richard le... Et tout d'un coup, hop, ils avaient assuré, bon, on est là, maintenant, allez, on va pas se casser la tête, alors,
on continue, et des fois il arrivait qu'on se laissait prendre et on prenait des essais ou des pénalités. Tant qu'on était mené au score là, c'était des démons, et dès l'instant où ils avaient assuré, hop, ils se relâchaient un petit peu. Pourtant grand favori devant Agen, Béziers ne réalisera jamais de triplé. Agen lui arrachera le bouclier dans les prolongations. C'est la seule finale perdue sur 5 participations consécutives. Astre lançant en direction de Cabrol qui perce. Cabrol, Astre, et Astre va y aller. Ça y est. Magnifique action de Cabrol et Astre, et il y va. Magnifique essai. Le plus dur d'une finale, c'est de la perdre. Et bien heureusement, nous avons gagné quelques-unes, mais c'est cette peur de perdre qui, quelquefois, annihile le jeu et rend quelquefois les finales décevantes parce qu'il n'y a pas de spectacle, mais c'est par cette inhibition et cette peur de perdre qui bloque un peu les joueurs. Bon, par la suite, avec la maîtrise que nous avions, nous avons réussi quelquefois à transformer le jeu car nous étions un peu plus sereins et un peu plus sûrs de nous. Je pense notamment à la finale en 78 face à Montferrand. Le ballon repris par Christina, Gerbollet, Romeu, Molna, il va même vers le centre. Et surtout, ne pas affronter physiquement les Biterrois, et ça c'était vrai. Et si on avait pu garder ce jeu jusqu'au bout, je pense qu'on aurait battu les Biterrois. On domine toujours pareil dans ce quart d'heure-là, après avoir marqué l'essai, on domine, on finit tout et les Biterrois. Nous, peut-être qu'on a un peu trop d'espoir, là on perd un petit peu les pédales, c'est vrai. Et puis bon, on est dans l'heure 22, et puis il y a cette relance d'Astre qui tape un coup de pied par-dessus. Et puis là, il y a tout vu, je vois tout vite fait, il y a eu ce ballon qui monte et qui rebondit mal devant Jean-Pierre Romeu. Coup de pied à suivre là-bas pour Séguier. Séguier tout seul, malgré le retour de Molna. Séguier. Dès le départ de ma course, je sens que je ne rattraperai pas ces guillemets à la ligne, c'est pas possible. Et puis je le reprends sur le poteau de touche, sur la ligne de but. Et puis là, à partir de là, ça a été l'écroulement. Mon dernier match avec Béziers, donc, est cette finale face à Montferrand. J'ai arrêté ma carrière à l'issue de cette saison. Et Barrière a arrêté l'entraînement à Béziers dans les 3 mois qui ont suivi. Donc je dirais qu'il y a un lien entre Raoul et moi dans toute cette épopée que nous avons pu avoir. Ces départs déstabilisent Béziers. Le colosse biterrois met un genou à terre. Le bouclier de Brennus reste en Languedoc. Mais la finale sera trop dure. Débordements de supporters et violences gâcheront la fête. Mais pas la joie de Narbonne, qui courait après ce titre depuis 30 ans. Narbonne et Béziers, il y a 2 tempéraments différents. Je crois que si on n'a peut-être pas été 10 fois champion de France, c'est peut-être parce qu'il y avait Béziers à côté. Mais si vous voulez, je crois que le tempérament narbonnais a été beaucoup plus joueur que le tempérament biterrois. Et ça, tout au long des matchs, tout au long des saisons, on s'est aperçu que Narbonne, si vous voulez, jouait beaucoup plus, on a beaucoup plus au ballon et beaucoup moins au cache-ballon que pouvait le jouer Béziers à ce moment-là. Oui. Ça part quand même par Fariès. Une passe croisée avec Codorniou. Codorniou qui fait le trou. Il va aller se faire laisser. Oui. Une belle percée de Codorniou. Fantastique. Une passe croisée avec Fariès. La page est tournée et Béziers revient en finale contre le Stade Toulousain. Ce qui m'a marqué d'abord, c'est la maîtrise de Béziers. C'est-à-dire qu'on a énormément souffert. Devant, on souffrait, on reculait. Et puis il y a une chose qui m'a marqué, qui a certainement marqué tous ceux qui ont vu cette finale, c'est une période extraordinairement euphorique du stade, qui a allumé le jeu de partout, et où Béziers, le grand Béziers, l'énorme Béziers, avec Palmier, avec Estelle, enfin, quand même, tout, était pratiquement KO debout. Et il s'en est fallu de peu que nous marquions à ce moment-là. Le stade pouvait marquer. Je me rappelle, ça, le jeu balayait le terrain de droite à gauche, et les Biterrois étaient complètement KO debout. Béziers rencontre Bagnères pour la première finale en nocturne, diffusée en direct à 20h30, un samedi soir, grande audience garantie. Un festival d'art et d'essai, une rencontre passionnante, et Béziers dépasse Lourdes et devient le club le plus titré du rugby français.
une finale du championnat de France. Le président de la République, avant, il n'y avait aucun qui. Bon, et il allait au football. Et j'ai dit, c'est quand même pas normal qu'une finale comme du rugby n'ait pas la présence du président de la République. Et j'ai été très fier et très content quand le président Mitterrand a accepté de venir. Il n'en a raté aucune. Et il apprécie le rugby, il le connaît. Bon, disons, c'est pas en termes de romantique, c'est pas d'aficionado. Mais enfin, il connaît le rugby, il s'y intéresse. Et moi, je dis, pour le rugby et pour notre discipline, bon, chapeau. C'est Agen qui rencontre Bayonne. L'histoire se répète, c'est la finale de 1943. Mais cette fois, Agen va l'emporter. C'est son 7e titre, une grande continuité depuis 1930. Le rugby est quelquefois contagieux. La greffe d'anciens joueurs de Toulon a bien pris à Nice. La finale sera inédite. On est très jeunes. En plus, dans cette équipe de 83, sur l'ensemble des 21 joueurs, il y a 10 joueurs issus de l'école de rugby, ce qui est un fait assez rare. Je crois qu'on est un des seuls clubs à être allé en finale avec 10 joueurs issus de notre école de rugby. Donc, c'est quelque chose de fabuleux, un moment très fort qu'on a vécu tous de façon peut-être un peu excessive. C'est un moment qu'on a peut-être, je dirais, survécu. On l'a trop vécu ce moment, ce qui fait que lors de cette finale, eh bien, on est peut-être un peu passé à côté. C'est Bernard Hérault qui fait une touche sur Boucher, capitaine. Là, c'est bon passage de Nice. Nice a toujours la balle. Et ce soir, est loin, Monsieur Denis sera refusé. Et la finale gâchée par des supporters qui envahissent le terrain. Les jeunes niçois troublés n'auront pas le calme et la lucidité des guerriers du Terrois. Un grand classique en 1984 avec une finale à Jean-Béziers. Le match a été intense, superbe, et à la fin des prolongations, l'égalité est parfaite. 21-21, égalité d'essais, égalité de buts, aucun exclu. La finale se jouera au tir au but. Après plusieurs tirs, tout repose pour Agen sur Bernard Viviès. J'ai eu un sentiment de culpabilité par rapport à mes partenaires et ça c'est horrible. Heureusement que la finale de 82 avait été là avec le titre, sinon je crois que ça aurait été encore plus difficile à assimiler. Et 1984, c'est la dernière joie des vieux guerriers bitérois. Armand Vaquerin brandit son 10e bouclier, le record absolu pour un joueur. La ville de Béziers, avec 11 titres, s'inscrit dans la légende. Toulon et le Stade étaient quand même les deux clubs de la saison. C'était les deux équipes de la saison. C'était deux cultures différentes. Ces clubs étaient dirigés au point de vue entraînement par des personnalités tout à fait différentes. Scrella, Villepreux et Herrero. Et puis, ce sont aussi deux clubs qui sont un peu marginaux par rapport à la fédération. On reçoit une longue balle dévissée de Thierry Mazet.
Puis là, sans réfléchir, je le fonce, je vois qu'une chose, je vois la ligne. Là, ça... 7 ans après, j'ai un souvenir inoubliable, cette ligne. Un moment d'émotion inoubliable. Au moment où le bouclier de Brennus est arrivé, porté par les joueurs du stade sur ce balcon, devant cette place qui était complètement remplie, noire de monde, avec un enthousiasme, une joie, un bonheur indescriptible. Et il y a une ovation qui est montée de cette place au moment où les joueurs ont brandi ce bouclier. C'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Effectivement, on l'attendait depuis 1947. 1947, c'est l'année de ma naissance. Ça donne la mesure du temps. Ça faisait un bon moment que ce bouclier de Brennus, on l'attendait. Un président de la République qui est devenu un habitué. Et Toulouse revient en finale contre Agen pour le doubler. Un match marqué par la peur. Des joueurs traumatisés, le capitaine Agenais quittera le terrain sur une civière. Avec le recul, cette finale, c'est une finale non jouée. Il y a eu trop de peine chez les Agenais, même trop, il y a eu un choc trop brutal au niveau des joueurs. Dans un choc malheureux, Daniel Di Broca avale sa langue. Daniel, je crois qu'il y a de l'affolement. Oui, il y a de l'affolement, oui. Là, j'ai bien peur que Daniel Di Broca. Oh là là, oui. Je vois même les Toulousains qui s'affolent, donc dites-vous bien que c'est assez dramatique ce qui doit se passer actuellement. Je dois la vie, je crois, à la réaction de Pierre Berbizier et surtout de Léo Busquet qui sont derrière décroché les mâchoires et à me rattraper la langue. C'est à 10h du soir où j'ai repris conscience et que j'ai posé la question, il y avait ma femme, j'ai demandé qu'est-ce qu'on a fait. Alors là, quand on m'a annoncé le score, qu'on avait perdu, je ne me rappelais plus même que j'avais pris un grand coup sur la tête, puisque je me suis mis à pleurer, j'ai dit mais qu'est-ce qui s'est passé. Et puis voilà, et après c'est la nuit qui est longue, avec un suivi médical toute la nuit, et puis le lendemain on ressort de la clinique. Après 4 finales perdues, Toulon tient enfin un nouveau titre. L'équipe de Mayol de 1931 n'est plus seule dans la mémoire toulonnaise. Le titre, 56 ans après, ça a créé dans Toulon, par exemple à l'école de rugby, ça nous a doublé l'effectif. C'est évident. Les gosses ne voyaient plus que par le rugby. Il y a un impact terrible pour une ville, non seulement de jouer une finale, mais en plus de la gagner. On ne se rendait pas bien compte de ce qui s'est passé. Des joueurs qui sont rentrés avec nos papillons, c'était la fête, vraiment pour nous c'était un match de gala. Champion de France, on ne savait pas ce que c'était et on l'a loupé. On l'a loupé et après ce match, je ne vous dis pas l'immense tristesse quelque part et la sensation d'avoir loupé un rendez-vous et gâché quelque chose. Et ça c'est terrible ça. Broca est revenu au Parc des Princes pour brandir un troisième bouclier. Je crois qu'il fallait être efficace. Donc, à partir de là, on met tout en place pour gagner cette finale. Et à la sortie, une déception également, car ça a été la finale du non-jeu. Et donc, se dire être champion de France et avoir longtemps pensé qu'on était notre homme en étant champion de France, c'est là aussi une déception. Je crois qu'il n'y a pas eu ce phénomène, ce bouleversement. C'est assez bizarre, assez flou, plus une déception qu'une joie. Thank you.
deuxième titre pour Toulouse et Paris, avec l'équipe du Racing, revient devant Angers. Paris, 98 ans après le premier titre, d'Aigle-Bordeaux, 99 ans après les débuts du championnat, l'axe des grandes cités du début de l'histoire semble reconstitué. Parce que le 20 mars 1892, deux équipes se sont affrontées pour conquérir un bouclier. Pendant 100 ans, des hommes auront connu la gloire, le plaisir et les larmes. Le 6 juin 1992, le public du Parc des Princes va ovationner les héros d'hier, puis ceux d'aujourd'hui. André Herrero et Serge Blanco n'ont jamais touché ce bouclier. Biarritz et Blanco auront brillé de mille feux avant de s'éteindre, bousculés par le vent du large de la jeunesse toulonnaise. Années, je pense, pour voir ça, pour vraiment bien analyser, puis surtout pour commencer à regretter. Là, ce soir, ça va, on ne regrette rien, mais je crois que c'est au fil des années, au fil de la vie, que là, peut-être, on se rend compte qu'on a perdu une finale. La victoire, pour cette jeune garde toulonnaise, c'est un formidable hommage à Félix Mayol, qui disait « Les chansons passeront et mon stade restera et aidera à former une belle jeunesse ». Ce bouclier porté à bout de bras, c'est aujourd'hui 100 ans de passion, 100 ans d'émotion, c'est un voyage dans la mémoire du rugby français.